Peut-être vous dire que ça y est, hein, je crois que le site du meilleur de la pub a fermé ses portes. Là, c'est bon, c'est on bon. A tout reçu, très voilà. Belle édition, on se réjouit. Voilà. Les jurys, c'est pas encore maintenant, mais... Et puis on reviendra sur les détails de cette soirée, le 19 mai, comment ça se passait, la fête qui vous attend et ce genre de choses. Et puis ben voilà, vous verrez le petit logo du meilleur de la pub en bas à droite pour vous rappeler. Bonjour Victoria. Salut Thierry. Je crois justement qu'on va parler d'événements aujourd'hui. Eh ben oui, on est en plein dedans nous, donc on voulait en savoir plus. Hein. Donc on va chercher des pros pour ça. Ça va être bien, ça va être très très bien. Oui, parce que j'ai rencontré du monde dans des événements hein, pas plus tard que ce week-end. Et voilà, à chaque fois, on réalise que ça fait 2 ans qu'on fait ce rendez-vous en live parce que le présentiel, c'était pas si facile. C'était plus possible. Mais il y a un retour à la normale, presque. Bah écoute, on va voir. Donc, de Lyft en passant par la Develops Days Geneva ou TEDx Geneva, sans parler des SEO Camp, notre invité Matteo Mazzeri a fait... et fait partie de l'organisation de nombreux événements digitaux en Suisse romande. Comment se porte l'événementiel dans ce secteur? C'est une question que nous allons ne pas manquer de lui poser. Mon Dieu, je m'embrouille, tellement j'ai envie d'avoir. C'est l'émotion. Salut Matteo. Bienvenue à vous. Salut, bonjour. Mais oui, parce que Victoria, elle est toute émue, parce que ce sont des retrouvailles, Matteo. Mais oui, parce que ça nous fait très plaisir, très mais depuis mais très oui, longtemps. Et nous, ça nous fait très, très, très plaisir de t'avoir. Exact. Et je te remercie, parce que c'est vrai que, ben oui, toi, ça fait plus de 2 ans qu'on ne te voit pas, réellement. J'espère que tu viendras nous voir à la Forge, mon Dieu. Oui, c'est vrai, ça serait l'occasion. Avec vous. Oui, ça serait génial. Et je suis très content de vous rencontrer aussi, même si c'est en ligne uniquement, mais la chaleur, l'émotion et l'envie de se retrouver, elle est là quand même. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Matteo, eh bien, rassurez-vous, on va faire sa connaissance. C'est un pro. Et on va parler justement de son parcours de professionnel de l'événementiel ou de l'événement hybride ou de l'événement tout court. Enfin, on va laisser parler notre invité. Oui, alors quel est ton métier? Parce que toi, t'as toujours été un facilitateur. Alors, voilà, c'est quoi? Parce que j'ai jamais su si t'étais un développeur à la base ou qu'est-ce que tu es? Parce que je t'ai vu toujours partout, alors, oui. Mais je ne sais pas ce que tu es. Effectivement, j'ai changé. Enfin, j'ai fait pas mal de parcours, pas mal de vies, en commençant du côté, disons, technique de la force, puisque j'étais effectivement un développeur. J'ai fait du web pendant de longues années, mais aussi en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai bâti des entreprises au fur et à mesure de mes découvertes. Mais ce qui m'a toujours intéressé, en fait, c'était les liens entre la technologie et la société, comment ça pouvait changer finalement un bien. J'espère, la façon de collaborer et de faire émerger la puissance de l'intelligence collective dans laquelle je crois à fond via des choses comme les philosophies des logiciels libres et plein de formats participatifs. La technologie et l'online et l'offline permettent finalement de mélanger toutes ces choses pour faire apparaître un peu de magie. Donc, depuis quelques années avec mon ami associé Grégoire Japiot, on a lancé un format. Exact. Qui te salue aussi, il vous passe le bonjour aussi. On a lancé un format qui s'appelle les Responsive City Camp, en opposition, enfin, ou en tout cas, quelque part, pour attirer l'attention à ce qui n'est pas une smart city, parce que souvent, une smart city, c'est la technologie qui impose sur les citoyens une solution, histoire de vendre une solution technologique. Alors que les Responsive City Camp veulent être une façon collaborative de répondre, de s'adapter aux changements et aux besoins de la ville via un format de non-conférence, c'est-à-dire les personnes qu'on invite très, très différentes autour de la table, qui peuvent être des responsables d'administration, d'entreprise, des citoyens, des architectes urbanistes, des passants. J'ai participé, hein. Et Victoria, elle a participé aussi, donc elle connaît. On fait émerger finalement des problèmes et on accompagne les solutions via de la mise en place des projets. C'est quelque chose d'assez magique puisque ça crée du lien, ça crée de la collaboration et ça fait émerger des choses comme on n'aurait pas pu les faire émerger autrement. Et d'ailleurs, on a besoin de solutions collaboratives pour faire face aux enjeux importants qu'on a aujourd'hui. Et aussi avec un autre ami, Christophe Zimmermann de Gora Publica. Oh, notre ami Christophe. Que des gens qu'on connaît. Mais oui, qu'on adore.
Ouais, on a fait plusieurs activités qui mélangent toujours la technologie, le live, mais aussi l'humain. Et on a accompagné Lorient Agglomération sur un projet de territoire. Ils voulaient définir leur projet de territoire pour les 10 années à venir, mais le faire de façon participative avec les citoyens. Donc, on a mis en place une solution à base de Décidim, qui est un logiciel qui facilite la participation, mais aussi, bien sûr, via des événements online et hybrides et en présentiel, afin de faire émerger toute cette intelligence collective. On a eu des retours dithyrambiques de la part des responsables et aussi des citoyens, en fait, de Lorient. On est très contents et on est aussi dans un autre contexte, toujours avec Grégoire et Christophe, accompagné l'État de Genève sur la mise en place du plein climat cantonal, puisque quelque part, on est de plus en plus aussi, non seulement concernés, mais on a envie de faire émerger des solutions post-croissance pour faire face aux enjeux qui sont aujourd'hui désormais majeurs. Donc, les événements online, hybrides, mixtes, qui permettent de faire travailler des gens ensemble et de faire émerger des solutions, sont des choses très puissantes dans lesquelles on croit beaucoup. Mais au Voilà à peu départ, près. ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que le début du web, hein, je dirais, était vraiment sur une logique d'open source. Après, ça s'est vraiment privatisé avec toutes ces plateformes. On est arrivé sur des plateformes propriétaires où chacun voulait garder pour avoir les data, commercialiser les data. Verrouillé. Verrouiller tout Oui. ça. Et puis finalement, on s'est aperçu, j'ai l'impression, hein, que finalement, comme tout le monde va partout, bah, les data, elles vont partout aussi. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un petit mouvement de réouverture où finalement, parce que, je veux dire, cette approche très participative, elle n'est pas nouvelle. J'ai même envie de dire, dans le monde du web, elle a presque 20 Mais ans. c'est même comme ça qu'avaient Et plus. imaginé le web les inventeurs du Mais oui, web. c'est ça. C'était l'ouverture. Donc, est-ce que c'est un retour? C'est une continuité, sauf que c'était un peu moins visible que certaines forces commerciales qui ont beaucoup plus de puissance et qui prennent beaucoup plus de visibilité. Mais c'est toujours là. Et l'envie de collaborer, c'est là bien avant le web. En fait, moi, je prends souvent un exemple, le barn raising. Habituellement, je partage une vidéo. C'est génial. Ce sont des citoyens ensemble qui donnent. Avec une organisation et une journée, ils arrivent à bâtir la ferme pour un de leurs amis. Et donc, cette envie de collaborer, ça existe depuis très longtemps, en fait. Sauf qu'avec le numérique, ça ouvre les frontières et ça permet de collaborer à des distances beaucoup plus vastes. C'est ça l'intérêt de la philosophie du libre, en fait, et des logiciels libres qui peut être appliqué aussi à plein d'autres domaines, et donc à l'intelligence collective pour trouver des solutions, que ce soit des solutions de mieux vivre dans la ville, de faire face aux enjeux climatiques et toute autre solution en fait. Donc c'est quelque chose qui existe dans une continuité. C'est sûr que on doit faire face à des forces commerciales assez importantes qui En envahissent milliards. et qui. Oui, aujourd'hui, si on pense qu'il y a Elon Musk qui est en train de, enfin, qui va fort Qui a probablement racheter Twitter. 44 Et Mark milliards, le chiffre est complètement fou. Voilà. Donc, on va avoir des canaux de communication. Facebook, Instagram sont de Mark Zuckerberg. Twitter va être aussi d'un autre multimilliardaire, l'homme en ce moment en tout cas le plus riche de la planète. C'est sûr qu'il y a une concentration d'informations qui est nocive finalement pour la société. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de façon très grassroots, très très bas, à partir de la base, de fournir des solutions alternatives qui permettent une cohésion citoyenne, une cohésion sociale bien plus intéressante que non. Quelque part, la division qui nous impose finalement les médias sociaux, les réseaux sociaux Eh tels oui, qu'on les connaît aujourd'hui. l'alternative existe. Hein. Je crois que c'est mammouth, l'alternative à Twitter. Mais voilà, c'est beaucoup plus difficile à défendre si on n'a pas 44 milliards pour en faire sa promo. On va revenir sur une de tes facettes hein, très très importantes, c'est celle de l'organisation d'événements.
Et justement, ça nous amène, Victoria, à parler des événements digitaux et puis peut-être faire aussi le point de la situation de ce qui s'est fait ou pas fait durant ces deux ans un peu particuliers. Plein d'événements, on en a cité déjà énormément. Comment ça s'est passé ces deux dernières années? Est-ce qu'ils ont eu lieu? Alors, bah, évidemment, quand une partie n'a pas pu avoir lieu en présentiel, est-ce qu'ils sont passés en ligne? Enfin, comment? Fais-nous un petit peu. Quel regard tu as sur ce qui s'est passé? Alors, il y a énormément de choses qui sont passées en ligne. Moi, ça faisait longtemps, et ça va dire que je suis nul, puisque ça faisait longtemps que j'essayais de dire, mais c'est intéressant aussi de faire des choses en ligne. Mais on avait une écoute très marginale. et soudain, le Covid arrive, et tout le monde dit, ah, mais c'est bien de faire des choses en ligne. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'il y a la façon dont on fait les choses qui peut être très positive ou très lourde. On parle souvent de Zoom fatigue, puisque les gens en ont marre d'être en ligne sur Zoom, et c'est totalement impersonnel, la qualité audio-vidéo elle est mauvaise. On fatigue effectivement, tout simplement, parce que les solutions mises en place ne permettent pas d'avoir un dialogue intéressant. Alors que si on le fait dans les règles de l'art, ça peut être quelque chose qui ouvre les horizons. Moi, je me suis amusé énormément. Enfin, il y avait bien sûr plein de problèmes liés au Covid, mais là, je suis en train de me concentrer sur les positifs et sur les événements. Je me suis amusé à faire le tour du monde des meet-ups comme plein de gens. On a, du jour au lendemain, on a pu participer à des rencontres de l'autre côté de la planète, en fait. C'est vrai. Moi, j'ai fait le tour du monde et j'ai rencontré énormément de monde, en fait, du jour au lendemain. Moi, j'organise parmi les différentes choses aussi, ce sont des meet-ups autour de l'agilité. C'est quelque chose dans laquelle je crois beaucoup aussi, les valeurs de l'agilité bien amenées. Et j'organise des meet-ups autour de l'agilité. Le lendemain du lockdown, on avait prévu de faire un meet-up en présentiel, mais j'ai dit non, on va le faire online. Donc, c'était, je pense, un des premiers meet-up post-lockdown. Et on a eu des gens qui ont participé de toute la planète. C'était une découverte incroyable. Et après, moi-même, j'ai commencé à faire la même chose. Donc, il y a une valeur intéressante dans une nouvelle dimension, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la combinaison entre des événements en présentiel connectés avec des événements à distance. Et faire la magie locale et à distance, ça permet d'ouvrir des horizons comme jamais. Nous, on connaît ça dans le monde du logiciel depuis beaucoup de temps, puisque une bonne partie de tous les logiciels autour du web, en fait, ils ont été développés déjà des façons distribuées. Et on n'a jamais eu tous les développeurs qui ont conçu les serveurs Internet tels Apache, les navigateurs, etc., dans le même local. Ils ont toujours été distribués. En fait, ils ont su travailler ensemble. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut appliquer ces méthodes de travail grâce aux événements hybrides aussi à d'autres domaines. Et c'est ça qui est super intéressant. Et d'ailleurs, Thierry, et Victoria aussi, j'ai découvert dans mes navigations un groupe de gens absolument phénoménaux. Depuis le Covid aussi, eux, ils ont commencé à faire quotidiennement, c'est des gens qui sont basés à l'origine, en tout cas, en Californie. Donc, à 6h du matin, tous les jours, du lundi au dimanche, de 6h à 9h du matin, ils font ce qu'ils appellent le show, c'est-à-dire une première heure des préparations, chit-chat, contrôle de microphone, contrôle de qualité vidéo, amélioration continue, comment on peut être toujours mieux, plus audible, comment on peut améliorer l'événement. Donc, justement, peut-être, excuse-moi, oui. Je suis obligé de faire cette parenthèse pour te remercier pour la qualité de l'image, du son et du setup qu'on a chez toi. Si vous êtes en train d'écouter ce live en podcast, parce qu'il est disponible après sa diffusion en live en podcast audio, allez voir les images, il y a même l'éclairage qui est très bien soigné, il y a une espèce de halo et tout. La chemise et les coordonnées au mur, c'est magnifique. Non mais ça fait plaisir. Bravo, de voir des invités, nous, qui... Voilà, la fiche technique a été prise au sérieux. Donc, on peut donner des cours. Et donc du coup, il y a assez pour faire des cours tous les jours avec ces... Donc qu'est-ce qu'ils font? Donc tous les matins, ils démarrent à 6h et ils commencent avec leur cours, et après ils font quoi? Leur formation. Et après, ils ont 2 heures de
Question et réponse. Donc, il y a un panel qui se forme de façon organique et n'importe qui veut participer peut poser des questions. Le panel répond. Et ensuite, ce qui est intéressant et fou, c'est que là, on a occupé 3 heures des 24. Donc, il en reste 21. Les 21 heures, en fait, c'est un Zoom call à toujours ouvert. Ah oui. Avec des gens qui sont, tu trouveras toujours quelqu'un, tu peux rentrer à tout moment et discuter, parler, poser des questions autour de la production audiovisuelle. Je dois faire un événement, quel conseil tu as pour faire une bonne prise de son? Et tu retrouves des gens, mais qui ne sont pas des petits fous, hein. C'est des gens qui ont organisé des événements pour Elon Musk, on en parlait tout à l'heure, des événements, ils travaillaient pour Obama. Enfin, donc, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ils sont là, et du coup, tu as 24 heures sur 24, une communauté qui s'est formée au départ, c'était aux US, mais maintenant elle est globale. Tu rencontres des gens d'Australie, de plein de pays européens et autres. Et ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, c'est une nouvelle façon de créer du lien, d'apprendre, de partager. Ça, c'est la thématique. C'est un peu comme Clubhouse, mais qui est du son, mais aussi où tu, d'un coup, tu pouvais parler avec tout le monde sur des thématiques. Oui, mais Clubhouse, oui, c'était intéressant. Effectivement, je m'étais amusé à participer à ça aussi, mais c'est très désorganisé, en fait. Après, bon, tu as des communautés plus ou moins intéressantes qui se sont formées. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la volonté aussi de mettre en place un apprentissage continu. Et ensuite, il y a des projets qui se forment. Il y a des projets, par exemple, on est en train de faire des productions de théâtre à distance. Et donc, il y a quelqu'un qui contrôle la lumière qui est en Australie, un autre qui contrôle les caméras qui est en Europe, et les acteurs, ils sont en Angleterre. Et c'est absolument génial. Et ça s'appelle cette plateforme? Ça s'appelle After Hours. Et donc, les after hours, c'est les 21 heures que c'est ouvert. Ah oui, voilà, après, parce que je me disais, hours. After hours à 6 heures du mat, ça fait un peu tôt pour l'apéro. Et c'est office hours, c'est de 6 heures à 9 heures, en fait. Et c'est ouvert à toute personne qui peut être intéressée par ça. Donc, ils font vraiment beaucoup de recherches autour, justement, des événements. C'est des gens qui viennent des événements live et qui ont pris goût à faire des événements online et hybrides. Très intéressant. C'est pas facile de tomber sur ce genre de très bon exemple, parce qu'avec Victoria, on dit souvent, nous, ça faisait longtemps qu'on parlait de faire ce rendez-vous, et puis moi j'ai une phrase un petit peu maintenant qui revient chaque fois, c'est ni un IT manager, ni un DRH, ni un patron d'entreprise, c'est un virus qui nous a mis des coups de pied aux fesses pour qu'on se mette à la numérisation de tout ce qu'on pouvait faire. Ça y est, c'est tombé, Airbnb, qui sait qu'il y a, plein de grosses boîtes, Twitter peut-être fait partie du lot, pas mal d'employeurs de la tech disent non mais ça marche, oui effectivement, le travail à distance, on n'est plus obligé de forcer les collaborateurs à venir au bureau, et puis ces employeurs vont jusqu'à dire bah maintenant vous pouvez habiter où vous voulez, vous allez rester salarié de notre entreprise parce fonctionne. Mais attends, mais le truc c'est que les salaires sont plus bas si tu restes chez toi. Ça, c'est le problème, très souvent. Alors, il y a plein de façons différentes de mettre au goût du jour cette solution. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises avant le virus qui avaient déjà commencé à travailler de cette façon. Oui, et là, tu as des exemples vraiment inspirants. Tu as même une entreprise que beaucoup de gens doivent utiliser pour les réseaux sociaux. C'est pas vrai, j'ai un vide de mémoire en ce moment. Ça va me revenir tout à l'heure. Ça va revenir. C'est quelque chose qui te permet de programmer ta gestion des réseaux sociaux, en fait. Au-dessus. Bon, je vais le retrouver. Non, c'est pas au-dessus, c'est un autre. C'est un autre. Non plus. Bon, enfin, un truc comme ça. Mais voilà, un truc comme ça. Et eux, ils sont complètement décentralisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place un système algorithmique pour calculer les salaires, en fait. Donc, ça prend en compte plein de paramètres, mais c'est totalement clair. Et il n'y a pas deux personnes qui sont dans le même local. Et c'est aujourd'hui une entreprise milliardaire qui existe. Il y en a une Suisse aussi, d'ailleurs, qui est beaucoup plus dans le domaine technologique, dont les deux
fondateurs ne se sont jamais rencontrés. Et aujourd'hui, ce sont plus de 500 personnes distribuées dans le monde. Et ça, c'était avant le virus. Maintenant, c'est sûr, il y a toujours plein de modèles différents des mises en place, mais c'est intéressant d'aller voir aussi les précurseurs, puisqu'ils ont des concepts intéressants et égalité, enfin, en tout cas, qui respectent les valeurs, choses essentielles, je trouve, d'un toute entreprise. C'est pas uniquement une discussion économique, en fait, le fait de rester chez toi. C'est vraiment une discussion de production de valeurs différentes. Je crois qu'on va se garder ce thème pour un autre live, parce qu'à mon avis, ça mérite qu'on le traite plus longuement, parce que t'es pas venu les mains vides, t'es quand même aussi rattaché à des events sur lesquels on va un petit peu concerner notre audience pour s'y intéresser. C'est parti. Et c'est les TEDx, voilà, parce qu'effectivement, peut-être vous aviez entendu parler des fameuses conférences TED. Il y a eu le petit TEDx qui est venu très vite se greffer. Même Lyft s'était fait lancer à l'expérience avec les Lyft at Home, voilà, une sorte de pendant de conférences. Alors peut-être, Victoria, on va profiter de demander à notre invité comment ça marche. Dans la logique, effectivement, de la globalisation et du local, ces TEDx, c'est ce qui permettait d'amener les grands speakers après dans les grandes conférences TED. Alors, nous, on aimerait déjà savoir exactement comment ça marche. Oui. Parce que ce monde TED, il est quand même hyper formaté. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une espèce d'intention. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que ça vient du fait que c'est très éditorialisé. Alors, les fameuses 18 minutes de... Oui, tout est très scripté, écrit. Alors, dis-nous si c'est vrai que toutes les présentations sont réécrites. Moi, c'est ça. Dis-nous la vérité. On veut tout savoir. Alors, la vérité, c'est qu'on ne fait qu'accompagner, finalement, les présentations. Donc, on les fait répéter, sans doute. Mais le but, c'est, étant donné qu'on a un temps limité, et ce qu'on a appris, c'est que l'important, c'est de transmettre une idée, un concept, en fait, afin que les gens puissent le recevoir et en faire quelque chose. L'idée des TED, des TEDx, c'est véritablement de propager des idées intéressantes qui peuvent avoir un impact positif auprès de ceux qui l'écoutent. Après, moi, je rajoute toujours la dimension création des réseaux avant que ça change réellement, concrètement, les choses au-delà des idées. Mais le départ, effectivement, c'est celui de trouver la meilleure façon de partager un concept, une idée. Et donc, chaque présentation doit se focaliser sur l'idée. Souvent, ce qui se passe, c'est que, en particulier, nous sommes totalement ouverts, en fait, les intervenants de nos TEDx, puisqu'il y a plusieurs TEDx, et chaque TEDx est indépendant. Moi, je co-organise avec une équipe. C'est la première chose, la plus importante, c'est l'équipe qui co-organise l'événement. Et un événement qui s'appelle TEDx Genève. Et chaque TEDx, en fait, a son équipe et sa façon de fonctionner, mais, effectivement, qui est quelque part fortement inspirée d'une Bible qui est publiquement accessible. Et toute personne qui voudrait voir comment ça marche peut aller tout simplement chercher sur Internet comment organiser un TEDx. Et il y a tout de suite les manuels d'organisation. Donc, c'est sûr qu'il y a toute une série de mesures à suivre, parce que la façon dont ça marche, pour qu'on puisse appeler un événement TEDx, on doit obtenir une licence qui est gratuite, il n'y a pas d'argent, mais qui nous impose quelque part de répondre à ce cahier des charges et donc de nous adapter effectivement à un format afin de maintenir quelque part une cohérence dont le seul but est celui de partager des idées qui ont de la valeur. Qui décide si elles ont de la valeur ou pas, c'est chaque équipe locale, en fait, fait la sélection. Donc nous sommes totalement ouverts, on reçoit quelques cinquantaines de propositions à chaque fois, des fois même 100, des fois même beaucoup plus. Et ensuite, avec
une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Ouais, vous faites de la curation, vous cherchez après ceux qui sont intéressants. On fait de la curation, tout à fait, et on arrive à un consensus, en fait, et on arrive à trouver les speakers. Et ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de travail, c'est vrai. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que nous, on a organisé des events, on invite des gens, chacun avec leur présentation, que ce soit en ligne ou pas en ligne, mais je veux dire, jamais on ne pourrait faire en sorte qu'ils fassent, qu'ils rentrent dans un moule pour présenter les choses d'une certaine manière. Et que je ne vois que les conférences TED, où finalement tu peux regarder après les vidéos, que ce soit les TED ou les TED Talks, ou bien les peut-être TEDx. Que la... Comment vous faites? Parce que vraiment, les gens, quand ils rentrent dans le monde TED, ils sont prêts à refaire toutes leurs slides, à faire toutes leurs présentations. Moi, ça m'a toujours épaté, parce que franchement, on n'aurait jamais pu demander aux gens qui viennent dans nos events de réécrire leur présentation. Comment vous faites? Alors c'est dès le départ, hein. C'est vraiment une condition sine qua non de l'adhésion au projet. C'est-à-dire que tu veux faire partie d'un TEDx, tu dois être d'accord sur le fait qu'on n'impose rien, hein. On suggère et on accompagne. C'est beaucoup de travail, étant donné qu'on est tous bénévoles. Hein. Ouais, donc, quand on organise un TEDx, on est 100% bénévoles. Et le long de l'année, on est une dizaine. Après, pendant l'événement, on a une cinquantaine de bénévoles pour le faire marcher. Mais parmi les dizaines de bénévoles permanents, en fait, enfin, en tout cas, les core teams, on accompagne chacun les intervenants. Et ils sont d'accord dès le départ. Donc ça, c'est clair. On les accompagne, bien sûr, sur les slides, sur la forme, et on les aide à répéter. Parce que, même si ce n'est pas appris par cœur, pour que ça soit naturel, pour que ça puisse... Il y a quoi, il y a un prompteur sur scène? Comment vous faites? Non, il n'y a absolument pas de prompteur. Prompteur, c'est super dur. La plupart des gens pensent que ça va les aider, mais c'est un métier, lire un prompteur. C'est le pire truc qu'on puisse leur donner. Ouais. Donc, c'est vraiment la répétition, c'est le fait d'être à l'aise sur scène. L'accompagnement. C'est la répétition, on les accompagne, on les accompagne afin d'être à l'aise sur scène et aussi afin d'être vraiment focus sur l'idée qu'ils veulent transmettre. Nous, on ne va jamais... dire, il faut que tu dises oui, ça. Non, mais c'est vraiment l'écriture. On pose juste des questions pour dire, c'est quoi ton message? C'est quoi que tu veux transmettre? On va à l'essentiel. On va les accompagner à sortir l'essentiel de ce qu'ils veulent dire. Voilà, c'est essentiellement ça. Et la répétition, ça c'est fondamental pour qu'ils se sentent à l'aise. Pendant le Covid, vous avez fait comment? Parce que vous, c'est toujours du présentiel, puis après des vidéos, on enregistre, puis après, il y a le catalogue de vidéos qu'on peut regarder. Bon, tu racontes ça comme si c'était évident, mais il faut savoir, pour la défense de TED, c'est qu'ils ont très vite capitalisé sur l'enregistrement, la vidéo, la diffusion. Et ça, je pense, c'est une des pistes. Voilà, ça, c'est une des pistes qui, je pense, renforcé la marque TED. Et donc, de ce fait, l'adoption pour participer au TEDx a été une suite logique par rapport à ça. Alors, vous avez fait comment en 20, quand on ne pouvait pas faire d'événements en présentiel? Vous en avez pas fait? On n'en a pas fait. Voilà. Ah, on n'en a pas fait parce que pour nous, c'est vraiment important la dimension émotionnelle et des créations des liens. D'ailleurs, ce qui est particulier de notre TEDx Genève, c'est qu'on donne même pas ni la liste des speakers, ni les titres des conférences. En fait, les gens viennent pour l'événement, viennent pour passer un moment ensemble. Ils viennent pas pour voir telle ou telle star, en fait. Donc, on communique même pas les programmes en avance. C'est pour ça que pour nous, l'important, c'était de le faire en présentiel. Donc, on n'en a pas fait de TEDx hybride. Après, juste une petite parenthèse, c'est effectivement fondamental, puisque TED, pour faire l'histoire, c'est né en 84. C'est ça aussi, c'est une marque qui date. Hein. C'est dingue. C'est ça, c'était un architecte absolument super curieux. Il a écrit 80 livres dans sa vie, juste parce qu'à chaque fois, il voulait apprendre quelque chose. Donc, son meilleur moyen d'apprendre, c'était d'écrire un livre. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses conférences, qui au départ étaient très... restrictive, c'est-à-dire tu pouvais pas y accéder facilement. En 2005, le curateur actuel, Chris Anderson, il a complètement changé l'approche. Il a pris tout le matériel, il a dit, je vais le mettre en ligne, je vais le diffuser. Bon, il y a eu Internet qui est arrivé entre-temps, et donc c'était beaucoup plus facile de le faire.
Et ça, ça a tout changé. Et ça, c'était vraiment génial, puisque ça a ouvert les portes. Donc voilà, c'était juste un petit aparté sur la genèse de TED. Et ce que j'adore, moi, des TEDx, en fait, c'est vraiment cette dimension de curiosité, de titiller la curiosité, d'ouvrir les esprits, d'amener des gens ensemble et de faciliter quelque part la discussion autour de thématiques qu'on n'aurait pas imaginé peut-être aborder autrement. Justement, à propos de thématiques et de curiosité, il y a ça. TEDx Geneva 22, parce qu'il y a des thématiques autour justement de ces rendez-vous. Donc, et notre invité vient avec, si j'ai bien compris, Pillow. C'est le 24 juin, voilà. C'est le coussin. On peut pas savoir c'est, qui, non, voilà. C'est l'oreiller. Quel est le thème? Il faut venir avec son oreiller, c'est ça? C'est les discussions autour des oreillers, voilà. Exact. Okay. On se suggère des trucs à l'oreille. C'est ça. C'est une idée qui m'est venue un jour. Dans les différents formats TED, tu as un format qui s'appelle TED-ED pour éducation. Et c'est très intéressant aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et comme ça, j'étais en train de discuter, mais ça serait cool de faire un TED-BED. Tout simplement pour les... C'est plus confortable, c'est plus pratique. Voilà, pour pouvoir discuter de ce qui est essentiel dans la vie, les choses qui sont vraiment la motivation qui nous fait avancer. Et finalement, ce sont les relations intimes, les relations humaines, les relations proches. Et du coup, TED-BED, c'était un peu un clin d'œil à des choses que parfois on a peur d'affronter, sur lesquelles on a peur de discuter, qui souvent sont source de conflits qui sont absurdes. Donc, c'était l'envie d'ouvrir la discussion et la curiosité aussi autour des thématiques qui sont peut-être moins faciles, moins abordées. Et du coup, comme faire un nouveau format TED, c'est pas évident, on a commencé à faire un événement qu'on a appelé Pillow Talk. Et la thématique, justement, c'est ça, c'est d'aller explorer un peu plus l'intime, à plein de différents niveaux. Donc, ça peut être, oui, les relations, le sexuel, les motifs, mais ce qui nous donne vraiment sens à être des humains, la culture. Et surtout après ces deux années où on a vécu quand même beaucoup d'angoisse. Oui. Et on voit que la société, elle est angoissée. Et quand on a une société angoissée, c'est une société qui est dans un état très de stress. Et donc, les choses peuvent être dangereuses parce qu'on surréagit à tout. Et c'est peut-être et aussi. D'autres tensions. C'est peut-être aussi un thème. Et un format qui peut nous permettre de revenir à l'authentique, à la simplicité. On passe des moments passionnants avec toi, Matteo, mais on est arrivé au terme de ce live. On va revenir te voir. Par rapport à ce rendez-vous, est-ce qu'il y a déjà des dates que tu peux partager, des prochains rendez-vous pour les partager avec notre audience? Oui, alors une imminente. C'est la semaine prochaine, jeudi et vendredi, c'est les DevOps Days à Genève. Exact. C'est super intéressant. C'est une conférence sur les changements autour du numérique. Donc, on est déjà presque plein, mais il y a encore quelques places. En tout cas, si ça vous intéresse, regardez, puisque ça aussi, on filme et après, on diffuse online. Super. OK. Puis pour les et le 24 juin. Le 24 juin, les Pillow Talk. Voilà. Okay. Et on fait toujours deux éditions, une édition sur les thèmes climatiques, ça c'est en novembre généralement, et une édition sur des thèmes, cette fois, Pillow Talk, donc plus intime. Merci beaucoup Matteo. C'était aussi un plaisir, énorme plaisir de te retrouver. De te retrouver, ça fait plaisir. Et puis, gageons qu'on reviendra te voir pour continuer ces discussions très très intéressantes. À très bientôt, porte-toi bien. Très bientôt, merci beaucoup. Voilà, il est temps de se dire au revoir parce qu'effectivement, on a une semaine avec des lives qui commencent très fort. Je vois venir le truc là, on va finir. Les business hours, voilà, c'est 21 heures de travail, on est bientôt à ça. Alors, à propos d'heures, demain, 13h pour un prochain Coming Back Live. Mm-hmm. Et puis si cet épisode vous semble intéressant, partagez-le, commentez-le, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours utile. Et puis d'ici là, portez-vous bien, demain, 13h, ciao. Bye.